Les 16 concurrents du Grand Prix Cœur d'Espère reviennent de s'élancer pour 3000 mètres. Il s'agit d'une course attelée pour chevaux âgés de 6 et 7 ans, avec un bon départ pour le numéro 2, Vesta de Hirel. On est bien parti également côté corde avec le numéro 3, Vansita, alors qu'à son extérieur, nous avons le numéro 8, Varum Tieben. On vient également côté corde avec Voslo, alors qu'Univers Castellet est en cinquième position devant Hubert Lotet, alors qu'on est à l'arrière-garde avec Univers des Vosges et également avec Va au Poteau. Au sortir du premier tournant avec Vesta du RL qui a l'avantage, on vient maintenant à son extérieur avec Varum Tieben. Vansita est en troisième position, débordé maintenant à l'extérieur par Univers Castellet, également par Ruban Blotet, alors qu'on est en 6-7e position, plutôt côté corde avec Voslo à son extérieur. Vaillant Zeller, le numéro 5, juste devant encore Vulcain de Corberie, alors qu'on tente de progresser maintenant en dehors avec Vizir Castellet. On est un peu plus loin avec Ulla de Varville, alors qu'on est fautif actuellement avec Ulrich Présinière. À cet instant du parcours, avec Varum Tieben seul en tête, dans son sillage numéro 2, Vesta de RL, accompagné par Univers Castellet, alors que le numéro 13, Ulrich Présinière, a été disqualifié. Avec Varum Tieben qui a l'avantage, avec maintenant, on vient complètement à l'extérieur, avec le numéro 10. Vizir Carizet. On se retrouve ainsi en troisième position avec Univers Castellet, alors qu'à son intérieur, nous avons le numéro 2, Vesta de RL. On est en cinquième position avec Voslo, alors qu'à son extérieur, nous avons Ulla de Varville, alors qu'un peu plus loin, nous avons Vaillant Zeller, accompagné encore côté corde par Univers des Vosges. Et à son extérieur, nous avons Vulcain de Corberie. Ils ont abordé la ligne droite des tribunes et après un tour, on a toujours l'avantage avec Varum Tieben. On est dans son sillage avec Vesta du RL, alors qu'en troisième position, plutôt côté corde, nous avons Vincita et on vient maintenant à l'extérieur avec Hubert Blotet. On est dans son sillage maintenant avec Vizir Carizet, accompagné encore un peu plus loin par le numéro 6, Voslo. Univers Castellet vient ensuite et on tente de progresser maintenant à l'extérieur avec le numéro 11, un éclat de lente. Vaillant Zeller est au centre du peloton avec également Vulcain de Corberie, Univers des Vosges, avec encore un peu plus loin Uranus Tepol avec Va au Poteau. Il leur reste 1200 mètres à parcourir. On contrôle actuellement avec Varum Tieben. On est maintenant à son extérieur avec le numéro 1, Hublan Blotet. On est sur un deuxième rideau côté corde et en troisième position avec le numéro 2, Vesta de Hirel. Alors qu'à son extérieur, nous avons Vizir Carizet sur un troisième rideau et côté corde et en cinquième position. Nous avons un Vansita, alors qu'on progresse maintenant à l'extérieur avec Vaillant Zeller, un éclat de lente est en septième position. Et on tente de progresser également à plein de peloton avec Uranus Tepol, alors que le numéro 7, Univers Castellet, vient d'être disqualifié. Avec Varum Tieben qui a toujours l'avantage, avec maintenant en deuxième position Vesta de Hirel. On est en troisième position avec Vizir Carizet. On est quatrième le long de la corde avec Vansita et on se rapproche maintenant avec le numéro 11, un éclat de lente. On est en sixième position avec Voslo, accompagné encore à son extérieur par Ulla de Varville. Un peu plus loin, Vulcain de Corberie devant Univers des Vosges, alors que le numéro 1, Hubert Blotet, a été disqualifié. Avec Varum Tieben qui va entrer en tête dans le dernier tournant, attaqué maintenant à l'extérieur par un éclat de lente, avec en troisième position plutôt côté corde, nous avons toujours Vesta de Hirel au centre, Vizir Carizet, alors qu'on tente également de progresser complètement à l'extérieur maintenant avec Vensita et dans son sillage nous avons Ulla de Varville. Il leur reste environ 100 mètres à parcourir. Varum Tieben attaqué maintenant à l'extérieur par un éclat de lente, avec en troisième position Vizir Carizet et on finit fort à l'extérieur maintenant avec numéro 3, Vensita, avec Varum Tieben, un éclat de lente et à l'extérieur Vensita aux abords du poteau avec la victoire du numéro 3, Vensita, la deuxième place pour le 11, un éclat de lente. La troisième place pour le numéro 8, Varum Tieben, devant encore le numéro 15, Ulla de Varville.